Bonjour, bienvenue à la troisième édition des journées portes ouvertes de STSE Provence. Cette année, c'est un peu particulier puisqu'on fête nos 25 ans d'existence. Donc on a fait un salon dans le domaine des télécoms et de l'informatique. On va faire connaître à nos clients toutes nos activités au travers de nos partenaires fournisseurs et constructeurs sur ce salon. Oui, bonjour, Georges Bello. Donc, je représente la société Jabra, qui est un groupe danois qui spécialise en acoustique. Nous avons trois types d'activités. La première qui est les prothèses auditiques, donc du médical, une partie plutôt grand public, et celle que je représente, qui est la partie solutions main libre pour les entreprises. Bonjour, je m'appelle Pascal Finidori, je travaille pour la société Exclusive Networks. Et là, je suis là aujourd'hui pour représenter la société Fortinet. Fortinet, qu'est-ce que c'est ? C'est un constructeur américain qui est là pour sécuriser, faire la sécurisation de bout en bout, c'est-à-dire aussi bien le poste de travail, le réseau et toutes les applications. Bonjour, Enzo Geoffroy, je suis le commercial Samsung sur le secteur sud-est et aujourd'hui donc, je présente en exclusivité donc, le Galaxy S9 et S9 Plus donc, qui sont les nouveaux smartphones premium de Samsung. On a également le Galaxy Note 8, donc le smartphone avec le stylet, et je présente également la solution DeX donc, qui permet d'utiliser le smartphone comme un PC. Donc on prolonge l'expérience en branchant le smartphone et on peut l'utiliser comme un PC. Bonjour, je suis Monsieur Vigouroux, je suis le responsable sud de chez EZ France. Nos solutions sont tout ce qui est antivirus et protection de données. Nous répondons aujourd'hui avec des solutions aussi sur le RGPD, qui est du chiffrement de données et de l'authentification forte. Notre société aujourd'hui a 30 ans, c'est le premier revendeur européen de solutions informatiques. Bonjour, Patrick Comon, groupe Alliance Com, revendeur donc Alcatel-Lucent. Donc nous sommes ici sur la journée porte ouverte STCE pour présenter l'offre Alcatel de collaboration qui s'appelle Rainbow, produit donc un outil collaboratif intégré complètement à l'offre Alcatel. Ce produit donc va nous permettre de pouvoir faire un équivalent d'un Skype for Business ou un équivalent d'un WhatsApp, mais dans le monde professionnel. Alors on est très heureux, Bouygues Télécom Entreprise, d'être présent à ces 25 ans. Présent avec notre partenaire Extinso Télécom qui travaille main dans la main avec STCE Provence. Aujourd'hui, on est venu justement pour rappeler la volonté de Bouygues Télécom de développer son réseau FTTH et son réseau fibre à travers les différents partenaires qu'on a dans la région. Bonjour, Damien Battier, société Vauban Systèmes. Je suis le responsable commercial qui représente la société. Vauban Systèmes est un fabricant de solutions de contrôle d'accès. Nous sommes spécialisés dans la sécurisation des bâtiments. Nous sommes un fabricant français qui existe maintenant depuis 10 ans. Nous sommes basés à Cergy-Pontoise. Et nous proposons avec SCCE des solutions pour sécuriser les bâtiments, principalement tout ce qui est accès, donc portes, avec différentes solutions, des solutions qu'on appelle online. Bonjour, donc je suis Benotman Sébastien, je représente la société VD6. Donc VD6 est un fabricant français de transmission adapté à la vidéo protection urbaine. Nous sommes basés à Toulon. On a 400 communes équipées aujourd'hui avec notre système. Et donc je remercie la société STCE de nous convier à cette journée porte ouverte. Oui, bonjour. Donc bienvenue à cette journée avec STCE Provence. Je suis Eric Ledoucen de la société VIAVI Solutions, donc anciennement Network Instruments. VIAVI Solutions propose des solutions de visibilité de votre réseau, donc que ce soit dans le data center ou à travers le cloud. Nous avons des solutions qui vous permettent de savoir exactement ce qui se passe avec votre système d'information. Donc notre produit phare est la solution Gigastore qui vous permet de pouvoir enregistrer tous les flux et vous donner la visibilité complète de votre réseau, de vos applications et de pouvoir déterminer s'il y a des problèmes de performance, d'où ils viennent. On va diffuser un premier message d'accueil. Et derrière ce message d'accueil, on va poser des questions.
Donc vraiment, la philosophie du produit, ça va être de délester l'accueil. Oui, par rapport à la personne qui a l'accueil actuellement à la mairie, si vous avez une ou deux personnes, je ne sais pas. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de faire de l'accueil. Toujours téléphonique sur des choses importantes, mais aussi l'accueil physique, l'administratif. Ah, ouais. Et nous, en fait, le produit il va délester toute la partie des messages qui peuvent prendre des appels qui sont parfois un peu répétitifs, etc. Et c'est le système, en fait, qui va pouvoir les orienter automatiquement. Okay, donc nous sommes AVM Up, AVM Informatique, une PME lyonnaise. Donc nous sommes opérateurs de solutions de télécommunications d'entreprise. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'héberger tous les moyens télécoms d'une entreprise. La stratégie d'AVM est une stratégie volontairement basée sur l'indirect. Donc nous travaillons avec des partenaires comme STC Provence qui nous a invités gentiment pour cette manifestation. Oui, bonjour. Donc nous sommes la société Blue Linea. Nous sommes un opérateur d'objets connectés en santé. Nous avons une mission qui est de prendre soin des gens que vous aimez, de les protéger. Et pour ça, on a un ensemble de solutions que je peux vous montrer rapidement ici. On a en particulier une solution de protection de maternité qui permet de prévenir tout ce qui est rapt de bébés en sécurisant donc les nouveau-nés et en rassurant le personnel et les parents. Et on a également tout un tas de solutions de sécurisation et de communication. Ça va de l'appel malade à tout ce qui est renvoi des informations vers des pagers, vers des solutions de communication. Bonjour, alors je suis Laurie Pires, je représente la société Omega Print. Donc, nous sommes fournisseurs en impression bureautique. On s'occupe de la partie donc, impression, scan, copieur en partenariat avec STCE qui est notre partenaire en informatique et téléphonie. Aujourd'hui, notre force, c'est notre réseau également comme la force du réseau Resadia avec STCE. C'est-à-dire qu'Olivetti est répandu à l'échelle nationale et propose des produits donc, de sa propre marque fabriqués par Konica Minolta en Asie, assemblés en Italie. Nos ordinateurs HP sont conçus pour optimiser la créativité et la productivité des professionnels aujourd'hui. La gamme HP Professionnel offre des fonctions de sécurité, de collaboration avancée et également présente des performances supérieures et offre des innovations uniques que nos partenaires et clients sont fiers d'afficher aujourd'hui. Les modèles sont solides, fiables et adaptés à notre quotidien. Merci à STCE de nous inviter pour ces 25 ans et également à Resadia pour notre partenariat. À bientôt. Bonjour à tous, nous sommes la société Tech Data. Nous sommes présents ici aujourd'hui aux journées portes ouvertes de Resadia pour communiquer et présenter donc, les différentes solutions cloud de Microsoft. Microsoft vient d'ouvrir ses data centers en France, enfin. Et donc, c'est l'occasion de mettre l'accent sur toute la partie sécurité, de ce que peut apporter des solutions hébergées dans les data centers de Microsoft. Donc, Marc Joachin, société Axit, en partenariat avec Sophie Savaïdès, expert juridique spécialisé dans le numérique, et moi, Axit, spécialisé dans la sécurité informatique. On a aujourd'hui une offre de services liée à la RGPD. C'est quoi la RGPD ? Ce n'est pas un mot grossier, rassurez-vous. C'est tout simplement une nouvelle réglementation, une réglementation européenne qui vise à protéger des données personnelles. Bonjour, nous sommes ravis d'être à cette journée STCE. Je représente Oracle Communication qui fournit des solutions télécom pour homogénéiser les parcs de PABX, les communications unifiées, les communications vidéo. Nous fournissons une solution complète de bout en bout, notamment pour les migrations SIP Trunk avec la fin du réseau commuté en France.